Guinéens et Guinéennes, mes chers compatriotes, en ce début d'année 2018, je voudrais présenter à chacun d'entre vous, à vos familles ainsi qu'à tous vos proches, tous mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Je souhaite à chacun d'entre vous, Guinéens de l'intérieur comme de l'extérieur, une vie meilleure, en espérant que ceux qui connaissent des moments difficiles surmontent toutes les épreuves dans la paix et la dignité. Aux ressortissants des pays frères et amis qui ont choisi de vivre chez nous, j'adresse mes meilleurs voeux et je vais les rassurer de notre traditionnelle hospitalité. Ces voeux s'adressent également à nos forces de défense et de sécurité qui sont dévouées à la protection de nos territoires et contribuent avec courage aux côtés de leurs frères d'âme de l'aménagement au rétablissement de la paix et de la sécurité dans notre région. La nouvelle année marque la 60e anniversaire de notre indépendance nationale, acquise après le vote historique du 28 septembre 1958. Qui a conduit notre pays à la souveraineté internationale et fait de notre peuple une communauté profondément attachée à la liberté et à la constitution de l'Union africaine. Je suis fier de partager avec vous la célébration de cette période de notre histoire au moment où je m'apprête à transmettre le flambeau de la présidence en exercice de l'Union africaine. Cette présidence de l'Union africaine a permis à notre pays de hisser très haut la vision que notre continent a sur les grandes causes du moment, que sont la paix, les luttes contre le terrorisme, le péril climatique, ainsi que l'engagement qu'il a pour un développement économique centré sur l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Des périls humains auxquels sont exposés certaines de nos populations qui bravent les mers au risque de leur vie nous interpellent, surtout lorsque s'étale sous nos yeux le drame du trafic d'êtres humains dévoilé récemment en Libye et qui mobilise notre conscience d'Africains et de citoyens du monde. Guinéen, dans quelques semaines, nos citoyens participeront à de nouvelles consultations électorales avec la tenue des élections communales que je souhaite consensuelles et apaisées. J'encourage la classe politique à garder le cap sur les points de convergence qui peuvent aider notre pays à privilégier la défense de l'intérêt général et le respect de nos lois face à certaines manifestations injustifiées qui sont susceptibles de troubler l'ordre public et la quiétude de nos villes et campagnes. Le dialogue politique ouvert en 2011 nous a permis de franchir des étapes avant d'arriver à l'accord conclu le 20 août 2015 et révisé en 2016, avec pour principal contenu une réforme partielle de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que la révision du code électoral soumise à l'Assemblée nationale. Il faut également noter l'adoption du Code général des collectivités locales, la libéralisation de toutes les personnes interpellées dans le cadre de manifestations publiques. L'identification et la poursuite des auteurs de violences durant les manifestations politiques sont en cours. L'inscription d'un taux forfaitaire dans la loi du finance 2017 en faveur des victimes concernées par les manifestations politiques est également engagée. À ce propos, nous avons une pensée à l'endroit des victimes des violences politiques d'avant l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. C'est dans le sens que j'invite le gouvernement et les partis politiques à poursuivre le dialogue et à se pencher sur toutes les réformes futures susceptible de préserver et d'améliorer nos acquis démocratiques, notre stabilité et notre volonté de vivre ensemble. L'année 2017 s'achève avec un bilan économique prometteur pour notre pays. En plus des changements économiques, un cadre attractif a été créé pour favoriser les investissements extérieurs. Notre économie a progressé de 10 points dans le classement du Doing Business. Elle est également classée par la Banque mondiale parmi les 5 pays qui se distinguent sur le plan de la compétitivité. Avec un taux de croissance économique de plus de 6%, un déficit budgétaire continu, un taux d'inflation passé de 21 à 8%. Cette année, notre budget 2018 connaîtra une forte augmentation du poste d'investissement par rapport à 2017. Mes chers compatriotes, notre pays est porteur de nombreux projets économiques. Depuis la conclusion avec le Fonds monétaire international d'un accord au mois de décembre 2017, ces derniers inaugurent un nouveau programme de facilité élargie de crédit par lequel la Guinée a la possibilité d'obtenir des prêts non concessionnels à hauteur de 650 millions de dollars, en complément d'autres financements identifiés pour le plan triennal 2017-2020. Un financement de projet prioritaire de 20 milliards de dollars a été également conclu en septembre 2017 avec la Chine sur une durée de 20 ans. Il concerne les infrastructures et les secteurs vitaux de notre économie. 3 milliards seront déjà disponibles dès 2018. Pour la construction de la route Koya-Mamoun-Dabola, l'assainissement des voiries de Conakry, la construction de la première université sur les cadres prévus. J'ai également programmé le financement de la ligne de la transmission électrique Linsan-Foumi,
l'extension du port de Conakry et la construction du barrage hydroélectrique de Swapiti. Dans le domaine économique et social, à l'occasion du 16 novembre dernier à Paris du groupe consultatif pour le financement du plan national de développement économique et social PNDS, la Guinée s'est vu accorder 21 milliards de dollars de promesses d'engagement en lieu et place de 14 milliards attendus. Après 24 années de fermeture, l'usine militaire de confection de tenues va s'ouvrir au Kalfaya avec un coût de réalisation de 32 millions de dollars et la création de 1558 emplois. Des investissements importants seront faits dans le domaine de l'agriculture afin de diversifier notre potentiel agricole et nos variétés de cultures destinées à soutenir le monde rural. L'accent est mis sur la culture de la noix de cajou, du café, du cacao, du sésame, de l'huile de palme, etc. L'aménagement des espaces culturels pour le riz ont déjà été engagés pour réduire notre dépendance extérieure. À la faveur de notre politique minière, d'importants investissements ont été réalisés dans ce secteur, notamment dans la mise en exploitation d'une nouvelle mine de bauxite à Boké pour une mise au rang de zone économique. La construction d'un terminal à conteneurs dans le port de Kamsa et la rénovation des sentiers ferroviaires sont également projetées. Ces réalisations seront achevées en 2020. Et elles font aujourd'hui de notre pays un des plus grands producteurs de bauxite au monde. Plus de 2 milliards de dollars d'investissement sont prévus pour les prochaines années. Par ailleurs, des programmes d'électrification des communes rurales et la valorisation des énergies renouvelables sont en cours d'exécution. Guinéenne, Guinéenne, notre programme national de développement économique et social s'exerce aujourd'hui dans un contexte politique serein. Cette gouvernance confirme notre ancrage dans la démocratie qui est la base de notre stabilité politique. À ce jour, toutes les institutions prévues par la Constitution ont été mises en place. Nous poursuivons la réforme des forces de défense et de sécurité qui a permis de rapprocher les services de sécurité des populations et a changé radicalement l'image des forces de défense et de sécurité dans l'opinion nationale. Par ailleurs, les états généraux de la sécurité routière et la tenue de la Semaine nationale de la citoyenneté ont contribué à renforcer le civisme et le respect de la loi. Dans cet esprit, la réforme de la justice a été amorcée dès 2011. Elle a pour objectif de rapprocher la justice du citoyen, de crédibiliser le système judiciaire et de créer un environnement judiciaire favorable, conforme à un état de droit. La Guinée dispose d'un cadre institutionnel propice à l'exercice des libertés comme celle de la presse, avec une loi qui dépénalise les délits de presse. L'existence d'une institution indépendante de régulation compose de l'ensemble des associations de presse s'inscrit dans ce cadre. J'encourage la presse publique et privée à continuer d'œuvrer pour la défense de nos valeurs démocratiques dans le respect de nos lois et règlements afin de mettre à soi notre démocratie. Guinéennes et Guinéens, mes chers compatriotes, la promotion de la femme est un axe essentiel de la politique sociale du gouvernement. Je voudrais à ce titre rappeler que de nombreuses initiatives destinées à promouvoir l'autonomisation des femmes sur le plan économique ont été prises. Une banque de microfinance destinée aux femmes a été mise sur pied sur l'ensemble du territoire national, la MIFA. Cette banque permet aux femmes d'accéder à des ressources à des conditions avantageuses. Des investissements importants ont été réalisés pour promouvoir des activités dans l'artisanat, le maraîchage et la teinture. Ainsi que dans le développement de la filière du beurre de qualité, le miel et le fonio. La politique de promotion de la femme a intégré la dimension du genre dans l'accès aux postes de décision. Une direction genre d'équité a été créée au sein de tous les départements ministériels. Par ailleurs, la lutte contre les mutilations génitales féminines constitue une priorité dans la politique de protection de l'intégrité physique de la femme. La scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école, la lutte contre le mariage précoce s'inscrivent dans le même esprit. Guinéennes et Guinéennes, je voudrais surtout m'adresser aux jeunes qui occupent une place importante dans notre projet de société et dans les investissements à venir. Un ensemble de projets sera mis en œuvre dès ce mois de janvier 2018, conformément à la volonté de l'Union africaine de consacrer la nouvelle année au thème investi dans la jeunesse. Un des aspects importants posés par la promotion des jeunes est l'élaboration de la politique d'insertion dans le circuit de l'économie nationale. Un programme d'un fonds important a été mis en œuvre pour permettre aux jeunes de créer des entreprises et de faciliter leur accès aux nouvelles technologies. Des maisons de jeunes équipées de matériel informatique ont été conçues dans les communes de la capitale. Des centres multifonctionnels sont en cours d'édification à Conakry. Une politique volontariste en matière de santé publique a été mise en œuvre
pour inverser les tendances observées dans ce pays, en Guinée. Le taux de couverture vaccinale est presque complet. Il en est de même du nombre de centres de santé communautaires et de structures préfectorales qui se sont accrues. Nous avons également amélioré la capacité nationale de riposte aux épidémies. Dans le domaine de l'éducation nationale, une réforme en profondeur est en cours avec l'organisation des États généraux dans la semaine prévue prochainement. Dans un premier temps, les efforts ont été concentrés sur les formations de base. Près de 10 000 classes ont été conçues dans l'ensemble du pays. Plus de 5 000 enseignants ont été recrutés. Le recensement biométrique et l'introduction du traitement informatique dans les dossiers d'orientation et de gestion des étudiants ont contribué à une meilleure maîtrise des effectifs dans l'enseignement supérieur. Les systèmes nationaux d'enseignement se rendent de plus en plus vers la prise en compte de l'adéquation entre formation et emploi et celle des attentes des employeurs. Un accent particulier a été mis sur l'enseignement technique, avec entre autres la construction de nouveaux centres de formation. Nous allons doter nos forces de sécurité de moyens conséquents pour leur permettre de mettre fin à l'insécurité au grand banditisme. Je souhaite que l'année nouvelle soit pour nous tous une occasion d'offrir encore à notre pays le meilleur de nous-mêmes. À toutes et à tous, je souhaite une bonne et heureuse année 2018.